Salut! Coucou! Alors, mon ordinateur? Salut les copains, salut les amis, comment ça va? Vous allez bien? Bonjour. Alors, je vous ai envoyé il y a quelques minutes sur la page Facebook, j'ai envoyé en fait comment vous dire, Et là, j'ai mon ordi qui est en train de planter au moment du direct. C'est extraordinaire. C'est génial. J'adore l'informatique. Ça vous fait jamais ça, vous? Moment où il faut que ça marche, ça bug. Bon, bah, c'est quand il veut. Voilà. Et bah, je vous ai posté il y a quelques minutes, en fait, un petit bout de Owen the Saints. Et c'est en fait conçu pour travailler le tongue blocking. Parce que vous avez été nombreux à me demander comment on pourrait faire, ou voilà, on n'est pas très très à l'aise et tout ça. Donc j'avais parlé hier de prendre un harmonica en ré, parce que apparemment il y en a qui n'ont qu'un ré à disposition, mais il y en a d'autres qui n'en ont pas, donc il y a l'harmonica en do, donc on va essayer avec les deux. Mais en fait, voilà, donc je vous le fais sur un do, après je vous le fais sur un ré. Et de toute manière, peu importe la tonalité que vous utiliserez, parce que Owen the Saints, ça se fait dans toutes les tonalités, c'est totalement free. Voilà. Donc, mon ordinateur a vraiment décidé de jouer, de faire n'importe quoi. C'est bien, c'est super. Génial. Oh là là. Extraordinaire. Alors, donc, nous sommes sur Facebook et Instagram ensemble, YouTube sûrement dans quelques minutes, quand il aura décidé de se débloquer, c'est comme ça. Voilà. Et puis, du coup, je vous le fais tout de suite. Alors, bougez pas. Ça vous dit? Donc, je suis en train de récupérer YouTube. Yes, alright, bien. Donc, mail a quitté de façon inattendue. Ça alors, tout a quitté de façon inattendue. Oh là là là, incroyable. J'adore quand mon ordinateur me fait ça. Passez au direct. 3, 2, 1. Est-ce que ça le fait? Oh, bien. Bon, et bien aujourd'hui, on va faire sans ordinateur. Vous allez bien? Ce qui est génial, c'est que toute cette petite vidéo, ça va finir en mode coffret collector de cette période très particulière qu'on est en train de vivre. Et ça va se terminer en best-of du meilleur bêtisier des lives quotidiens. Ça va être très très bien. Il faudrait faire ça à la fin, toutes les fois où ça n'a pas marché en direct. C'est extraordinaire. C'est monstrueux. Bon, bref. Ok. On va continuer comme ça. Donc, pour commencer à faire du tongue blocking, ce que je vous propose, par exemple, je vais prendre l'harmonica en ré pour ceux qui n'ont qu'un harmo en ré. Thank you.
vous allez commencer à prendre par exemple 2, 3, 4 en soufflant. Ensuite, vous allez coller la langue sur l'harmonica. Donc c'est vraiment une manip à bien avoir en tête. Donc... Et plus j'essaye, plus je précise, et plus j'arrive directement sur le 4 soufflé. Et avec un petit peu d'exercice, je vais intégrer aussi le trou numéro 1, ce qui fait que je bloquerai les trous 1, 2, 3 avec le côté gauche. Attention parce que l'image est renversée à certains endroits. Donc ça, c'est bien ma main gauche. Donc... Et je souffle avec le côté droit de la... Donc voilà, et ça donne le tongue blocking. Et alors le but, c'est d'essayer de frapper avec la langue en rythme en fait. C'est vraiment ça le truc, complètement décalé. Mais mince, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Pourquoi ça fait ça? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui encore? C'est fou ça! Les jours passants, on règle des soucis. Et au fur et à mesure, on se retrouve avec d'autres problèmes. Bon, et vous sur Instagram, alors comment ça se passe? Comment ça va? Est-ce que ça fonctionne ou pas? Et là, du coup, sur YouTube, sur Facebook, c'est toujours décalé quand je vous parle? Bon. Dites-moi si c'est quand même correct, si on peut y arriver ou si il faut que je recharge le système. Dites-moi ce que vous en pensez. YouTube marche pas. Ben non. Non, justement, je suis en train de... J'ai l'ordinateur qui s'est coupé au moment du direct. Et je suis en train d'essayer de... Enfin, je vais. C'est pas que je vais essayer. Ça va prendre un peu de temps. Mais je suis en train de recharger le système. Parce qu'au moment de passer en direct, tout est... Ah ! Il y a tout qui tombe. Instagram est tombé. Vous êtes toujours là? Bonjour, bonjour. D'accord. Bon, ben, c'est rock'n'roll aujourd'hui. C'est monstrueux. Ok. Ok. Bon. Instagram vient de tomber. Later. Bon, je reprends. Donc j'en étais là. J'essaye avec l'harmonica en ré. D'accord? Donc. J'essaye de garder le rythme à chaque fois que je percute avec la langue sur l'harmonica. C'est comme si je battais la mesure, en fait, quelque part. C'est vraiment ça qui est important à comprendre dans le tongue blocking. C'est... C'est la fin du monde chez Rachel, c'est le bordel. comme je vous disais, ça fera des souvenirs. Donc voilà. Alors, je prends l'harmon en do, je recommence avec l'harmon en do. Je fais vraiment en décomposé pour que vous puissiez essayer à la maison. C'était la technique vraiment tongue blocking. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé à travailler cette technique. Donc, c'est pour ça que je vous propose ça aujourd'hui. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Alors, j'avais prévu
de vous faire une petite impro, de vous jouer quelque chose. Et puis ensuite, j'avais prévu de vous emmener sur un autre terrain, sur une vidéo que j'ai partagée tout à l'heure, d'ailleurs, juste avant de commencer le direct sur le fil. Vous allez trouver une petite vidéo qui s'intitule Mélodie, avec une date derrière comme toujours. Et en fait, cette petite mélodie, c'est Jean-Christophe qui a soumis cette idée que j'ai trouvée excellentissime. Et il a proposé un bon exercice serait effectivement, puisque c'est très important de savoir le faire sur cet instrument d'autant plus, de savoir reconnaître les notes à l'oreille et de savoir relever. Donc du coup, il me proposait, et si tu lançais un défi? Alors, allons-y pour le défi, je vous lance un défi. Le but, c'est de relever donc ce petit bout. Alors, ce que vous pouvez, mais surtout la fin, la descente chromatique, comme il dit. Comme il l'a décrit, moi j'appelle ça la phrase de fin. Mais voilà, écoutez, si ça vous amuse de faire joujou avec ça, et ben je vous invite à le faire. Voilà. Et je vous donne un indice. Cette chanson donc, qui s'appelle Mélodie est présente sur ma chaîne YouTube. Donc là, je l'ai partagée sur le Facebook. Et j'avais fait un petit tuto, un tuto. Voilà, sur cette chanson et spécialement sur cette dernière phrase où en fait, enfin je vous laisse chercher, c'est sur ma chaîne et tout ça, mais vous allez trouver le petit tuto pour décrypter la dernière phrase plus facilement, vous allez voir. Tout est dit, tout est marqué, tout est écrit. Alors si ça vous dit et si vous avez le temps, je vous propose de vous attaquer à ça. Alors ça évidemment, c'est vraiment pour ceux qui sont un peu plus confirmés. Mais voilà, pour ceux qui ont envie, moi je propose de travailler le tongue blocking sur Owen the Saints comme je viens de vous montrer. Et puis voilà, ça va être chouette. Truc. Je vais vous jouer un petit irlandais, justement sur l'harmon en ré. Thank you.
s'appelle Red Haired Boy. C'est un traditionnel, c'est un morceau extrêmement ancien. Voilà, et alors est-ce que je vous envoie la tablature? Bah si vous voulez, mais bon bah si vous voulez, oui, mais en même temps c'est assez long et tout ça, mais sinon vous pouvez aussi essayer de choper quelques notes et puis de comparer après, voir si vous étiez pas trop loin du résultat. Donc je vous fais ça dans les prochains jours avec grand plaisir, voilà. Alors, j'ai vu deux, trois petits trucs où, en disant « Ouais, alors, when the sense, ouais, bon, c'est nul et tout, et puis, oh, bah, finalement, on préfère le reste, oh, bah, ouais, puis non, mais ça, c'est mieux, Red Haired Boy et tout ça, machin. » Alors, oui, d'accord, j'entends bien tout ça, je comprends ce que vous voulez dire et tout, mais laissez-moi quand même vous dire quelque chose, c'est que Owen the Saints, ça a l'air très con comme ça, mais jouer Owen the Saints pour le tongue blocking et faire joujou avec cette technique-là qui n'est pas forcément très très bien maîtrisée ni en place pour tout le monde, c'est vachement important, parce que si vous vous exercez sur des choses simples, vous risquez ensuite de pouvoir utiliser les techniques sur les choses beaucoup plus difficiles et compliquées, parce que là, le tongue blocking sur Red Haired Boy, j'en place autour de la mélodie. C'est-à-dire que je vogue toujours de l'un à l'autre, comme toujours, parce que de toute manière, pour moi, ce sont vraiment les deux en même temps, et pas l'un ou l'autre. C'est vraiment un mix des deux à tous les moments au niveau du jeu. Mais par contre, attaquer direct par jouer du tongue block, faire des allers-retours comme ça, entre le tongue block et le single note et tout, sur une mélodie qui va quand même relativement vite, et quelque chose de relativement soutenu, ce qui signifie qu'au niveau du time, au niveau du rythme et tout ça, il faut être super en place, et c'est pas forcément évident à tous les moments ni toujours, et ça demande vraiment du travail spécial pour ça. Donc il est vrai que pour se dégourdir un peu les jambes, je dirais, et attaquer le tongue blocking et vraiment préciser notre façon de jouer, je pars toujours sur des mélodies extrêmement simples, ce qui peut paraître très con, mais après Owen the Saints, je vais vous faire au Susanna aussi, donc vous n'êtes pas sortis. Mais voilà, c'est mon point de vue, c'est ma vision des choses, je vous la fais partager. Et j'aime bien quand vous me mettez des petits messages comme ça, parce que du coup, ça ouvre vraiment la discussion sur la, un peu la philosophie de tout ça et la façon dont on voit le concept et le chemin qui reste à faire. Donc moi, j'adore quand vous me dites des choses comme ça, je kiffe. Voilà. Donc merci pour vos petits messages. Alors, vous m'avez laissé des messages plutôt, je n'ai pas tout vu, mais je prendrai le temps de les lire ensuite après, et quand on se quittera de vous répondre à tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on va faire d'autre? J'avais donc cette histoire de petite mélodie, voilà, ah oui, alors la mélodie, il faut absolument que vous regardiez cette vidéo. Donc, est-ce que je peux l'avoir là directement? Laissez-moi juste regarder une seconde, est-ce que ça peut se connecter sur internet ça? Peut-être qu'il va avoir ressuscité. Mais et puis d'ailleurs, au passage, du coup, sur YouTube, je mettrai évidemment le replay, en fait. J'exporterai la vidéo et je la mettrai en ligne sur YouTube après. Mais c'est dommage que ça n'ait pas fonctionné aujourd'hui. Je suis très, très déçue. Toujours. Voilà, ce sont des choses qui arrivent. Donc, mélodie. Voilà, je devrais remettre la main dessus assez rapidement. Voilà, très bien. Je vais pouvoir la lancer. Super. Voilà, on va pouvoir voir ça. Alors ça, c'était avec un harmonica en si bémol. Donc là, il va falloir commencer à jongler un peu avec des tonalités différentes. Et en fait, j'ai choisi un harmonica en si bémol parce que j'adore la sonorité, et comme c'était vraiment quelque chose que je faisais en a cappella vraiment toute seule pour un kiff, en fait, juste pour rigoler comme ça, et bien j'adore cette sonorité un peu médium grave, en fait, ni trop grave ni trop aiguë. Donc voilà. Je sais pas si vous entendez quand je mets la musique. C'est ça. Oh la vache. Eh ouais, oh la vache. Ah
Et ben là, mon harmonica aurait bien besoin d'un petit nettoyage. Parce qu'il commence à se bloquer, à avoir les notes qui se... les lamelles qui ne réagissent plus très bien. Voilà, l'œuvre de l'oxydation et du jouage. Alors. Sur la chaîne YouTube, je sais plus exactement comment je l'avais fait, si je l'avais fait très très lentement ou déjà à cette vitesse, mais si j'essaie de descendre encore. Tout ça, comme je viens de le jouer, je pense que vous avez dû l'entendre, je reprends à chaque fois un petit peu de chaque chose, de tout ce que l'on voit chaque jour, et finalement tout ça mis bout à bout, ça construit en fait quelque chose, et tout est complémentaire. Il n'y a pas une technique ou un type de mélodie ou un type de phrase qui va rester isolé. C'est vraiment un kiff, parce qu'on peut tout lier ensemble, et c'est justement là le challenge, c'est de réussir à lier toutes les différentes caractéristiques techniques, un petit peu tout l'art de cet instrument, c'est de réussir à allier toutes les qualités de cet instru, tous ses points forts et tout ça, et de les explorer et de réussir à les mettre tous ensemble. Et c'est là que vous allez commencer à vous sentir à l'aise et à pouvoir créer des choses. Parce que le but de tout ça, c'est de réussir à ensuite prendre une mélodie comme référence en se disant « bah tiens, j'ai envie de jouer ça ». Comme, voilà, je vous parlais de « Oh Susanna » tout à l'heure. Enfin, on va rigoler 5 minutes, mais... Bon, voilà,
ça c'est typique tongue blocking, pour bosser le tongue blocking, ça c'est génial. Et du coup, mais tout ça, ça reste dans la mélodie aussi, c'est-à-dire que tout n'est pas séparé, tout n'est pas scindé. En fait, finalement, tout est lié et tout se joue en même temps. C'est ça qui est génial. Voilà, donc ça, c'était le petit mot de la fin d'aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup pour votre présence. Je suis très heureuse de passer ces petits moments avec vous. Merci beaucoup pour vos messages, pour vos questions, pour vos thématiques, pour vos problématiques. Je me ravis à chaque fois de vous lire. Et voilà, je remercie infiniment Honor qui, avec United in Sound, a lancé une initiative extraordinaire pendant cette période si délicate et si particulière. Et voilà, merci à Major Pigalle aussi qui permet de commander des armos et de les recevoir chez vous, malgré par les temps qui courent et tout ça. Donc ça fonctionne toujours, ça arrive en colis à la maison et tout, donc c'est vraiment génial. Ils ont fait des codes promo, voilà, grâce à ces petits lives, vous avez un code Rachel2020 qui est applicable et qui vous permet d'avoir une petite réduction en plus. Donc voilà, tout ça c'est vraiment, vraiment super. Donc merci infiniment. Merci à vous d'être présents assidûment tous les jours, avec beaucoup de fidélité et de bonne humeur. Et croyez-moi, ça, je suis extrêmement touchée de ça et je suis très contente. Voilà, vous me faites extrêmement plaisir, donc merci à vous, merci beaucoup. N'oubliez pas d'aller faire un petit tour sur mon site internet, parce qu'il y a toutes les tablatures de ce qu'on avait vu au début, et on le reverra, et j'en posterai d'autres dans les jours qui viennent. C'était des petits morceaux que j'avais fait avec Philippe Hervouette, donc grand merci à Philippe. Et il y en a d'autres aussi, et puis il y a la boutique en ligne, voilà, le store sur mon site web et tout ça, donc n'hésitez pas à aller regarder et télécharger les audios et les tablatures dans le blog. C'est ça qui est important, c'est-à-dire le petit endroit où il y a toutes les couleurs, c'est ça qui reprend tous les lives. Le contenu des lives est dispo là, enfin bref, je sais pas si je me fais comprendre. C'était un peu compliqué ce que je viens de dire. Et sinon, bah demain, 18h, comme chaque jour, avec un YouTube qui fonctionne. Mon ordinateur me fera pas ce coup-là tous les jours. C'est pas possible. Voilà. Donc, merci beaucoup. Merci à tous. Bonne soirée. Et à demain. Voilà.